Welcome back to the 2023 Vectric User Group meeting. My name is Todd. I'm Charlotte. My name's David. My name's Ollie. Now in this video, I'm going to show you how to create this side table on your CNC. The things I'm contributing really do make a difference, and I can see the output on the products that we're developing, which is a really cool feeling. Aspire is actually quite powerful when it comes to this kind of thing, using two rail sweeps, being able to use a shape creation, using our sheets feature. Salut! Bienvenue aujourd'hui pour aborder le dessin technique et le dessin qui permet d'utiliser la CNC. On va parler de Vectric, on va parler d'Aspire et je vais vous emmener sur ce logiciel. Allez en avant! Attends, faut que je fasse de la place. On va déjà rebrancher cette affaire. Allez, je vais rajouter une caméra. Là, ça cadre comme il faut, la lumière est belle. Yes, allez hop, quick. Pour situer un petit peu, Vectric, c'est un petit éditeur de logiciels britanniques qui font principalement des logiciels pour la 2D, la 3D et pour les applications de CNC. Ils ont toute une gamme de logiciels depuis 2DCAD jusqu'à Aspire, avec à chaque fois des fonctionnalités en plus dans leur logiciel. Mais à la base, c'est à peu près la même chose. Et d'ailleurs, si vous voulez vous lancer, vous pouvez acheter 2DCAD et les mises à jour vers les versions ultérieures, ben vous payez que la différence. Ça, c'est juste un petit message. Moi, j'ai accès à Aspire, qui est la version top moumoute de leur logiciel, qui permet de la découpe en 2D, 2D et demi, et qui permet aussi de former des trucs en 3 dimensions, c'est-à-dire du bas-relief en fait. La CN dont je dispose n'a que 3 axes, donc je ne peux pas découper vraiment sur le côté des pièces et encore moins sur le dessous. Je viens de lancer Aspire et on va évoquer les différentes façons d'utiliser le logiciel, en tout cas la façon dont moi j'utilise le logiciel. Pour découvrir Aspire, on va utiliser mon projet de roulotte pour lequel j'ai modélisé l'ensemble de la toiture ainsi que des murs. Et cette modélisation, elle me permet d'utiliser différentes parties du fichier. Alors, profil roulotte, mur et toit, ouvrir. Donc on a un fichier que j'ai créé au départ où on a l'ensemble du profil de la roulotte avec les arches de toit, les arches extérieures, intérieures, le lanterneau. J'ai même dessiné les gouttières. À partir de ce fichier, il me suffit de faire enregistrer sous et effacer les éléments dont j'ai pas besoin pour la découpe d'une pièce. Par exemple, un petit coin qui va aller sous le rampant de la toiture et qui va me permettre de faire un placard intérieur. Par exemple, on va faire ce placard intérieur là tout de suite. Peu importe l'emplacement dans la profondeur de la roulotte où c'est situé, parce que c'est tous les mêmes. Il y a un petit outil qui est assez magique, c'est le ciseau qui va me permettre de découper les pièces dont j'ai pas besoin. Et justement, celle-là, j'en ai besoin. On va découper le lanterneau. On va virer tout le lanterneau dont j'ai pas besoin. Voilà, même la partie inférieure de mon cercle. La partie supérieure de mon cercle, j'en ai pas besoin non plus. Alors, soit on utilise le ciseau, je vais aller un peu plus vite, je vais supprimer les tracés. Je vais reprendre mon ciseau parce que ça découpe seulement. Voilà, là on a le profil intérieur de la toiture de roulotte. À partir de ce fichier qui est l'état actuel de ma roulotte, je vais rajouter l'épaisseur de mon plafonnement, de la sous-face que je vais mettre dans la roulotte. Et donc c'est très simple, il suffit de rajouter, de faire un décalage du vecteur qu'on avait à l'origine. On va mettre 7 mm pour un toit qui fait seulement 6,5. Je me laisse une petite marge de sécurité. Alors c'est un décalage intérieur. Décalage. Voilà, donc je me retrouve avec un nouveau profil qui est un nouveau tracé en fait. Donc à partir de là, j'ai mes épaisseurs de plaquage et je vais pouvoir redessiner un meuble qui va venir ici contre. Donc le meuble, je vais vous le faire très simple. On va le faire un carré.
Voilà. Donc voilà, j'ai dessiné le profil d'un meuble. Je peux éliminer maintenant tout le reste. Je me retrouve avec le profil d'un meuble. Le tracé que j'ai obtenu, c'est le profil pile poil de l'élément qui va venir en sous-face de ma toiture et qui va me proposer de fabriquer un coffre à l'intérieur. On le dessine en deux dimensions, mais il faut l'imaginer après en trois dimensions. Et que je prévois les entailles, les séparateurs, les épaisseurs et que je puisse les tracer ensuite. Ce meuble, il vient en sous-pente sous la toiture, sous l'arrondi de la toiture, avec une porte qui va être en relevage. Il y en aura deux dans la chambre, deux dans la cuisine et peut-être un ou deux autres, je ne sais pas encore, des petits meubles. Donc il faut que je leur prévoie un certain nombre d'entailles pour accueillir les différents éléments. Le fond, éventuellement un séparateur intérieur, du coup il faut prévoir la dimension du séparateur intérieur en fonction de l'épaisseur du fond. Il y a tout un tas de petits paramètres comme ça qu'il ne faut pas oublier. Au-delà des tracés techniques qui vont permettre l'assemblage de cette pièce, je peux prévoir aussi des gravures décoratives. Je suis allé piquer quelques dessins vectoriels, c'est du SVG, mais de l'EPS ou n'importe quel format vectoriel convient. Je ne vais pas forcément les utiliser sur le projet final, mais je vais utiliser ce type de dessin. J'en sélectionne un, la feuille de Ginkgo m'a l'air jolie. Il y a un tout petit peu de nettoyage à faire avec ce dessin. Donc les autres dessins, j'en veux pas, je vais garder que les feuilles de Ginkgo. Voilà, et cette feuille de Ginkgo par exemple, je vais lui augmenter sa taille. Là, 40 mm ça ne suffit pas, on va faire 250 mm. 250 mm. Voilà, je vais pouvoir le replacer, l'orienter un peu. Je vais dessiner. Si ça en part 19. Voilà typiquement le genre de projet avec lequel je me retrouve habituellement, c'est-à-dire un profil d'une pièce à usiner. On va faire une découpe là autour, on va faire une feuillure sur le bas de la pièce pour accueillir le fond du meuble, un petit entail là en haut pour accueillir une petite traverse supérieure, de façon à ce que la porte puisse s'articuler, qu'elle ait des éléments pour se fixer, et puis un petit dessin décoratif qui va être gravé, mais sur assez peu de profondeur. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prévoir les découpes. Je vais vous montrer comment on organise la découpe du projet. Il suffit de sélectionner un tracé. Donc là, cette pièce-là, on ne le voit pas dessous, mais il y a le trait dessous. Et ce tracé-là, je vais lui dire, on va le découper à 19,5 mm, parce que mon panneau fait 19. On a une fraise de 8 mm, choisir « Yes ». Ça me propose 5 passes de profondeur différentes. On peut éditer l'outil pour lui dire que celui-là, la profondeur de 4 mm, à mon avis, il peut aller à 6 mm. Voilà, donc on n'a plus que 4 passes, et même on va mettre 6,5. Donc là, il n'y a plus que 3 passes, donc il me fait ma découpe en 3 passes. Il faut que j'ajoute là-dessus des tenons pour maintenir la pièce en place pendant que j'usine. Alors je vais en mettre 5 ou 6, voilà, ajouter les tenons. Donc il me prévoit les 5 ou 6 tenons pour tenir la pièce en place pendant qu'elle va être usinée. Alors, il faut faire attention à bien nommer les parcours d'outils parce que sinon après c'est le bazar. Donc là, découpe panneau, calculer. Voilà, on est bien, le petit filet là, il vient à l'extérieur. Ensuite, avec la même fraise, je vais faire ma feuillure là-dedans. Donc, la fraise, là, on va usiner ce qui s'appelle une poche. Profondeur de 9 mm, comme ça il en restera 10. Avec la même fraise, pour arriver à faire cette pièce sur la scène, il me faut créer deux fichiers. Un fichier, qu'on va dire recto, ou l'intérieur du meuble avec la feuillure là, la découpe du coin ici, et un verso qui va être l'extérieur du meuble avec la gravure de mes deux feuilles de Ginkgo.
ce profil de côté de meuble, on ne va pas encore le fabriquer tout de suite. Il y a encore des incertitudes dans le projet. Je ne sais pas si je vais utiliser la feuille de Ginkgo. Je ne sais pas si ça va être la hauteur pile poil. Je ne vais pas aller prendre les cotes. Par contre, là, ici, on a un objet qui va servir tout de suite. Dans mon projet de roulotte, je suis en train de faire faire les menuiseries, portes et fenêtres, par mon copain Marc Defix qui est menuisier et qui fabrique des portes et des fenêtres. Moi, je m'attarde simplement à faire les cadres et le dormant pour les panneaux fixes. Celui-ci va être tout au bout dans la salle de bain. Il va accueillir un carreau que j'ai déjà. Vous retrouverez la fabrication de ce cadre ainsi que les autres menuiseries dans l'épisode spécial menuiserie dans la roulotte. C'est à venir dans quelques temps. On va prévoir les parcours d'outils pour usiner et accueillir le panneau de verre qui va être dans ce cadre. Allez, on s'y met. Le vitrage. Voilà, le vitrage à sa position. Dans mon dormant, il faut que je fasse une feuillure pour accueillir le vitrage. Plus 2 mm sur le côté, plus 2 mm en bas, plus 2 mm tout autour en haut. Et que j'arrête ça à, on va dire, 15 mm du fond. En gros, il faut que j'arrête ça à 29 mm. Plus de quoi mettre une pare close à l'intérieur. Donc 29 plus 15 mm pour la pare close. 29 et 15, ça fait 39, 44. Donc il faut que je fasse une feuillure de 44 mm de profondeur. Il restera 26 mm. Ça fait presque un peu beaucoup. Non, ça fait pas beaucoup, ça va être très bien. La pare close, je la taillerai dans un bloc de MDF. De toute façon, ça va être peint à la fin. Je vais la faire à l'envers de façon à ce qu'il y ait une petite feuillure qui vienne en recouvrement sur le cadre. En coulisses, j'ai préparé un fichier avec la forme extérieure du cadre. C'est le premier grand cercle ici. À l'intérieur, on a le dessin du verre. Et il faut que je prévoie la feuillure du verre plus 2 mm en largeur. Ensuite, je vais retourner ma pièce pour pouvoir usiner la partie extérieure visible de la feuillure, avec un petit biais en changeant de fraise. Cette fraise, elle est capable de couper mes 44 mm de feuillure sans trop de problèmes. Par contre, elle ne peut pas couper à travers parce qu'il n'y aurait pas d'évacuation des copeaux. Donc, il va falloir que je retourne ma pièce. Le tracé qu'on voit ici en rose, c'est le contour de mon vitrage. Et je vais juste lui mettre un petit décalage en extérieur, extérieur tout autour, 2 mm. Pourquoi il fait gnoc ? 2 mm, voilà. Donc à 2 mm à l'extérieur de mon verre, il y a la découpe de la feuillure. Et cette découpe, je vais lui demander un contour intérieur, contour interne, sans tenon. Donc ça s'appelle découpe intérieure feuillure, 12 mm. Alors c'est important de mettre le nom des outils. Et il faut le faire sur 44 mm de profondeur, recalculer, calculer, fermer, et on peut avoir une simulation de l'ensemble. Sur la partie basse du cadre, on va se retrouver avec une feuillure, et dans la partie haute, là où il y a tout mon assemblage de bois, il y aura une rainure, mais qui va être découpée ensuite, une fois que je ferai le travail sur le verso. Au-delà de permettre de dessiner ces projets, la suite Vectric, la suite complète Vectric, permet de paramétrer le logiciel en fonction de la machine qui est derrière, de paramétrer aussi les outils qu'on utilise de façon à ce que le logiciel puisse générer du G-code. Le G-code, c'est principalement des positionnements d'outils, des vitesses d'avance, des vitesses de rotation et des profondeurs de coupe. Après, il y a d'autres paramètres encore, mais voilà, il y a ces quatre principaux paramètres. Bon, on va passer à l'action et je vais tout installer sur la CN et on va voir ce qu'on va voir. Alors, voilà ma pièce installée sur la CN. Comme vous le voyez, je l'ai fixée là avec des serre-joints, mais j'ai modifié mon dessin, c'est-à-dire que l'arrondi
Je ne vais pas le faire en même temps que toute la coupe tout autour. Là, j'ai coupé ça à la scie à format, c'est pas la peine de le recouper à la CN. Sur Aspire, j'ai modifié un peu mon fichier avec deux petits filets qui sont à droite et à gauche là, pour faire rentrer l'outil sur le côté et puis qu'il fasse le tour de mon arrondi. Mais c'est tout. Quel que soit le logiciel, la qualité des découpes sur une CN, c'est avant tout le bon maintien de la pièce. Et donc voilà, je préfère mettre des trous de vis dans mon martyr, mais au moins que ça tienne. Donc là, j'ai suffisamment de matière pour éviter de découper les têtes de vis ou les vis elles-mêmes. Voilà, là, c'est maintenu. Revoilà mon fichier, j'ai fait mes petites entrées là sur le côté du document pour permettre à la fraise de rentrer dans la matière sans avoir à faire le tour et abîmer mes serre-joints. Maintenant, il faut que je prévoie ma feuillure, la feuillure dont je parlais tout à l'heure. Contour, feuillure, 44 mm, calculé. Donc là, on est en externe, ça ne va pas du tout. On va repasser en interne là-dessus, calculé. Voilà, ça passe en interne. Là, celui-là en externe, externe, contour, extérieur, extérieur. Hop. Voilà, donc on en a bien un en extérieur et un en intérieur. Et alors, l'ordre d'opération, découpe, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, feuillure intérieure, supprimer, effacer ceci. Donc on va inverser l'ordre d'opération, on va commencer par l'extérieur avant de faire l'intérieur. Donc celui-ci, il descend d'un cran, voilà. Et voilà, je sauvegarde mon parcours d'outils avec ma fraise de... Zut, c'est pas la bonne fraise. Et il faut que je modifie tout. Donc, je vais mettre une fraise de 12 mm. Donc, ça me fait recalculer tout. Choisir 12 mm. Voilà, 44 mm, 6 passes. 100 tenons. Calculer. On va faire un preview là-dessus. Réinitialiser l'aperçu. Le logiciel est capable de me donner une petite simulation de ce qu'il va découper. Il suffit de lui demander un aperçu des parcours d'outils. Tac. Et ça le met dans l'ordre dans lequel ça vient, et ça me permet de voir que voilà, ça va effectivement faire ce que je souhaite. Maintenant que j'ai trouvé une simulation qui me convient, je vais pouvoir exporter mes parcours d'outils. Donc là, c'est pas compliqué, on prend les deux parcours d'outils qui ont la même fraise, et on va demander à ce qu'il enregistre le parcours d'outils. C'est bien une fraise de 12 mm dans les deux cas. Dormant fixe, salle de bain, on va dire recto. Et voilà, j'ai plus qu'à ouvrir Mac 4 pour piloter la machine. Aussi bien au niveau du fichier informatique qu'au niveau de l'exécution sur la CN, il faut choisir un point d'origine. Là, mon point d'origine que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est en bas à gauche, mais on peut prendre n'importe lequel. J'aurais pu prendre celui qui est là-bas au fond. Celui-là est plus pratique pour moi, c'est tout. Ce petit appareil qui m'a été vendu avec mon avis de CNC, ben voilà, il permet de trouver le point d'origine, la pointe exactement ici. Et là aussi, il faut faire attention à ce que ce soit le tranchant qui soit mesuré et pas un plat qui sera entre deux pointes.
bouleverso, c'est pas très compliqué. Je reprends mon demi-cercle plus la découpe intérieure à l'intérieur de la feuillure. Et puis voilà. Sur le même document, j'ai fait le dessin du verso, j'ai inversé ma pièce et c'est reparti. Voilà, on passe à la dernière opération que je fais sur ce dormant. Je vais utiliser cette fraise conique pour faire un petit biais tout autour de la feuillure en extérieur. Alors, je reprends mon fichier de découpe intérieure et je vais cette fois-ci travailler sur le trait en jouant de la profondeur. Je vais faire une passe à, on va dire, 30 mm, voir ce que ça donne. Et s'il faut, ben, je descendrai un poil plus et je ne voudrais pas diminuer trop la taille de la feuillure. On élimine les autres parcours d'outils et on va juste enregistrer celui-ci. Lui, il ne sait pas encore, mais moi, je n'ai pas dit que j'ai changé de fraise. C'est juste moi qui sais que j'ai changé de fraise. Je ferme le G-code précédent, je charge le nouveau. Il y a simplement un parcours d'outils qui va être fait en un rien de temps parce qu'il n'y a qu'une seule passe. Un coup dans l'eau, ça, c'est parce que je n'ai pas demandé l'usinage sur le tracé. J'ai demandé juste à côté, si vous voyez, mais là, on est juste à côté du tracé et ça ne va pas. Donc, celui-ci, je vais le modifier. Sur le trait, s'il vous plaît, calculer, et voilà. Et on est sur le trait, et même, il a changé de sens de façon à usiner en avalant. Bon allez, un peu de nettoyage, mais voilà, un magnifique dormant. Bon, est-ce que le carreau rentre? Eh oui! Aïe, aïe! Ouf. Et ben voilà! Et voilà, pour les quelques opérations de base qu'on peut utiliser sur Vectric Aspire, moi c'est principalement celle dont je me sers. Il m'est arrivé d'utiliser les fonctions 3D du logiciel Aspire pour de la modélisation de terrain par exemple. Et là du coup, on exploite quand même beaucoup plus le logiciel. Là, on est sur vraiment 2,5 dimensions. C'est pas que de la découpe en 2 dimensions où il faut avoir la 3e dimension en tête, mais là, c'est vraiment le logiciel qui gère les histoires de profondeur de coupe et de profondeur de passe. Je vais finir la part close de cette fenêtre et je vais l'emmener chez Marc de Fix pour la peinture. Comme ça, ça sera de la même teinte que tout le reste. Il y a quelques finitions à faire sur le côté, là, parce que j'étais un peu gourmand au niveau du parcours d'outils. Et ça, il y a eu un peu d'arrachement, donc je mettais un peu de résine, vu que ça va être peint à la fin. Donc voilà. Alors pour ceux qui trouveraient que c'est dommage d'utiliser du valchromate pour faire des parts closes, le panneau du milieu là qui manque, là, il va peut-être me servir de volet à la fin. Vous en faites pas, c'est tout réfléchi. Alors, est-ce que c'est la bonne taille? Allez, vas-y, on y croit. Mais oui, ça a la bonne taille. Bon, tout faux, Verdier. Alors, au lieu d'enlever 4 mm, il fallait que je conserve 4 mm et donc que je descende de 15. Donc, je vais pouvoir affiner mon cadre de façon à pouvoir accueillir la part close. De toute façon, ça va tenir. Hein. Bon, pas me tromper cette fois-ci. Couper l'intérieur, oui.
Allez, on y croit ce coup-ci. Aïe. Clac, clac. Et voilà l'idée. Donc là, je vais usiner un petit bordure sur la part close. Et puis ça sera joli. Ouais, gagné. Allez, ça va être prêt pour la peinture. Moi, je mettrai des micro-vis là et là pour tenir et puis ça sera tout. Voilà, j'ai simplement rajouté un petit jeu d'eau collé à l'avant du cadre. Je vais juste découper ce qui dépasse. Un dernier élément qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est un petit trou pour laisser échapper l'humidité s'il peut y en avoir. 24,25. Là. Voilà, j'ai beau travailler à la CNC, il n'en reste pas moins que le boulot, on finit toujours sur l'établi avec des outils pour compléter le travail qui est fabriqué à la CNC. C'est un apport de modernité, bien sûr, un apport de précision, un gain de temps. Et puis le logiciel Aspire, ben, il aide beaucoup à ça. Mais voilà, ça ne fait pas tout. Il y a toujours les ponçages qui restent, mais il y a aussi toutes les réflexions, l'organisation du travail qui est à prévoir en fonction de ces nouvelles données, ces nouvelles machines qui nous permettent de gagner du temps. Ça me fait gagner un temps fou sur certains projets, et donc voilà, ça me permet simplement d'exister en tant que menuisier dans un petit village perdu. Je ne suis pas si vieux que ça, n'empêche que l'informatique, quand j'étais jeune, ça n'existait pas, ou c'était vraiment balbutiant. Et aujourd'hui, ça vient pas seulement rendre service, ça vient aussi nous permettre de travailler. Voilà, sans cet outil-là, moi, mon entreprise, elle n'existerait peut-être pas, ou alors ça serait autre chose. L'entreprise que vous connaissez, que vous voyez chaque semaine dans mes vidéos, ben, elle ne serait pas comme ça en tout cas. Je reçois assez régulièrement des questions au sujet de Vectric Aspire. C'est le logiciel que j'utilise depuis que j'ai cette CNC. C'est un logiciel qui fonctionne plutôt bien, en français en plus. Il n'y a jamais de plantage. Je vous invite à jeter un œil à la chaîne YouTube de Vectric. C'est sur YouTube, je vous mets des liens là-haut. Ils ont des tutoriels super bien foutus. Alors c'est en anglais, mais ça permet d'appréhender tous les aspects du logiciel. Quand moi-même j'ai des doutes, ben voilà, je vais chercher l'info sur Vectric, sur la chaîne YouTube de Vectric. On va se retrouver très bientôt quant à nous pour la suite des opérations sur la roulotte et puis sur plein d'autres projets aussi. Allez, à ciao, bonsoir.